Allô, alors bonjour, bonjour à tous. Je reviens vers vous encore avec une nouvelle vidéo. Et cette vidéo, ça m'est venu comme ça. Et j'en avais jamais parlé avant. Et donc là, je me suis dit, ok, je vais la faire, je vais donner mon point de vue. Et je vais vous dire ce que je pense, hein, et je vais vous dire comment est-ce qu'on devrait en fait définir, hein, ce mot. C'est aussi un des mots, hein, qu'on devrait redéfinir, sincèrement. On devrait vraiment redéfinir en fait ce mot-là, consciemment, inconsciemment, hein, dans le conscient et aussi dans le subconscient. Parce que c'est très important, on ne s'en rend pas compte, mais des fois, dans le subconscient aussi, le subconscient, ça peut aussi jouer, hein, quant à ce qui est nos habitudes, nos comportements et tout ça. Voilà. Et donc, le mot en question, c'est argent. Aujourd'hui, je vais parler de argent. Je vais définir le mot. Je vais expliquer comment moi, je comprends le mot et je vais aussi d'abord je vais d'abord faire une définition du mot, hein, comment moi je comprends le mot, comment on devrait définir le mot, et ensuite je vais parler de comment, hein, on définit ce mot-là dans nos sociétés. Bon, vous me direz aussi, hein, il y a différentes sociétés avec différentes définitions. Bon, l'argent en Chine, par exemple. Hein, voilà, l'argent en Chine, ça peut surprendre, mais c'est quelque chose de banal, c'est quelque chose de normal. Hein, c'est normal, c'est pas associé au diable ou je sais pas comme on a souvent, hein, l'habitude d'associer ce mot-là à argent, Hali Seitani, comme on dit dans nos pays. En Afrique, au Sénégal par exemple, on dit Hali Seitani, genre l'argent c'est Satan, l'argent c'est le diable. Alors ça, j'ai jamais entendu en Chine. Juste un petit détail comme ça. Donc il y a différentes définitions, hein, dans différentes cultures. Et donc je crois que la façon dont on définit l'argent, hein, c'est la base de. C'est la base aussi du développement. C'est la base du développement. Les pays où j'ai, dans les pays qui n'ont pas ce rapport conflictuel-là avec l'argent, hein, conflictuel, je m'entends conflictuel, c'est-à-dire on accuse l'argent de tous les maux. Hein. L'argent, c'est le diable. L'argent, c'est la source de tous les maux et tout ça. Non. Hein. L'argent, c'est pas le diable. Ok? L'argent, c'est pas non plus la source de tous les maux. Tu te lèves le matin, hein, t'as pas d'argent, mais t'as pas d'argent. Hein. Voilà. Donc, est-ce que si tu te lèves le matin et que tu avais de l'argent, est-ce que ça veut dire que tu as Satan avec toi ou je ne sais quoi? Enfin, même si littéralement c'est pas ça, c'est pas comme ça qu'on définit le mot, mais on devrait accepter le mot, hein, dans sa globalité. Et essayer de le définir dans sa globalité, dans ce sens-là, c'est-à-dire quelque chose de bien. Hein. L'argent, c'est comme l'amour. L'amour, c'est bien. Hein. Quand on aime quelqu'un, c'est bien. Quand on a l'argent aussi, ça devrait être bien. Hein. On devrait, hein, pas du tout, hein, l'associer à c'est Satan ou enfin. Donc, sans pour autant rentrer dans les détails, là maintenant. Donc je vais commencer par définir l'argent. Ensuite, je vais expliquer comment est-ce que nous, on perçoit l'argent, comment est-ce que dans nos sociétés, on perçoit l'argent, surtout dans la société en des pays, dans les sociétés africaines, par exemple, comment est-ce qu'on perçoit l'argent. Et ensuite, je vais donner mon point de vue sur comment on devrait percevoir l'argent. Donc, trois points que je vais développer là. Alors, pour commencer, pour ce qui est de la définition de l'argent, une question toute simple. Une question toute simple. Quand je vous pose
la question de savoir qu'est-ce que l'argent? L'argent, c'est quoi? Dans votre tête, vous avez quoi? Hein? Argent. Ok, je vous dis, argent, c'est quoi? Comment vous définissez l'argent? Une question toute simple. Vous voyez? Je parie que la majorité d'entre vous, tout de suite, c'est argent comme le billet, hein, le billet de votre monnaie nationale respective, que ce soit l'euro, que ce soit le CFA, que ce soit le dollar, tout de suite, vous pensez à ça. Ok? Je suis tout à fait d'accord, c'est ça. Et ce qu'on oublie souvent, c'est là en fait le petit piège, hein, c'est-à-dire surtout en Afrique, hein, surtout en Afrique, c'était un petit piège. Pourquoi? Parce que on se limite au billet, on se limite à la monnaie. L'argent, c'est le billet, l'argent, c'est la monnaie, ok, mais l'argent, ça peut aussi être la ressource que tu as, ok. Tu peux avoir un terrain qui a, je sais pas, qui a une mine d'or, qui a une ressource naturelle. Hein, ça aussi, c'est de l'argent. Parce que si tu monnaies ça, tu peux hein, avoir de l'argent. Okay? Donc, l'argent, c'est pas juste. Hein, l'argent, c'est aussi un service. Okay? Le service, tu offres à quelqu'un un service, tu le monnaies contre de l'argent. Je m'adresse surtout aux jeunes, en fait. Il faut pas juste s'arrêter. Il faut développer cette pensée-là de savoir que l'argent, c'est pas juste le billet, c'est pas juste l'argent, mais c'est aussi ce que vous avez, vous. Ça peut être ce que vous avez, vous. Vous avez la capacité d'offrir un service, c'est de l'argent. Donc, comment vous pouvez offrir ce service-là, ça peut aussi définir votre richesse, ok? Donc vous n'avez pas besoin d'avoir des 0,00 dans votre compte en banque pour vous définir comme riche. Vous pouvez vous définir comme riche hein, avec seulement les ressources que vous avez. La ressource naturelle, c'est de l'argent. Vous vendez ça, vous transformez ça en argent. La ressource intellectuelle aussi, c'est de l'argent. Non? Pourquoi? Parce que si vous transformez ça en service et que vous vendez, vous vous faites payer. Tout travail mérite salaire. Là-dessus, je vais rentrer après. OK. Et donc, l'argent, ce n'est pas juste le papier, ce n'est pas juste la pièce de votre monnaie nationale. Ce n'est pas juste ça, c'est tout ça en fait. Et plus vous allez élargir en fait cette façon de voir l'argent, plus vous aurez en fait beaucoup d'opportunités, plus vous allez voir. Mieux les choses, ok? Si vous voyez par exemple que vous savez faire ça, hein, mais développez-le et sachez que ce que vous savez faire là, vous pouvez le transformer en quelque chose, en un service ou en quelque chose d'artistique, ok? D'artistique ou je ne sais quoi. Et vous n'avez pas forcément besoin hein, d'avoir les diplômes pour le transformer. Et là aussi, je vais revenir plus tard. C'est-à-dire, l'argent, c'est pas seulement hein, soit tu as l'argent ou tu as le diplôme hein, validé par l'État qui te dit maintenant, prends, tu as l'autorisation d'aller trouver du travail pour te faire de l'argent. Non, tu peux, même en n'ayant aucun diplôme, juste développer un savoir-faire, ok? Développer un savoir-faire qui va te permettre de le monnayer ce savoir-faire-là, offrir un service, rendre un service, hein, et le monnayer avec de l'argent. Et donc, comme ça, c'est de l'argent aussi. Le savoir-faire que vous avez, c'est de l'argent. OK? Aussi petit que ce soit. Donc, vous n'avez pas besoin d'attendre, en fait, d'avoir des diplômes. OK? Pour vous dire que maintenant, vous avez l'autorisation d'aller monnayer quelque chose contre de l'argent. OK? Non, vous n'avez pas besoin d'attendre. Et donc, bon, ça, c'est ma première petite définition. Hein? Alors, est-ce que l'argent, c'est important? Ça, c'est la deuxième petite question que je vais vous poser, hein, qui est, est-ce que l'argent, c'est important? Ben oui, l'argent, c'est important. OK, maintenant. Si l'argent c'est important,
Si l'argent, c'est important, pourquoi on l'associerait à quelque chose de pas bien? Pourquoi, des fois, quand les gens, ils ont souvent les gens, ils ont l'habitude de dire, non, l'argent, pour moi, c'est pas important. C'est quoi ça? Donc, inconsciemment, en fait, tu es en train de repousser l'argent. C'est comme si, en fait, vous aviez une femme, hein, ou vous aviez votre mari, et vous lui dites, toi, tu n'es pas important. Si vous aimez vraiment la personne, pourquoi elle n'est pas importante? Ça ne devrait même pas vous traverser l'esprit. Non, l'argent, ça ne règle pas tous les problèmes. Attends, si l'argent ne règle pas tous les problèmes, au moins ça règle tes problèmes d'argent. Ou bien, ça ne règle pas tous les problèmes. Tu te lèves le matin, la première des choses que tu fais, respirer. C'est gratuit, ok. Le verre d'eau que tu mets dans ton ventre, là, c'est quoi? Tu ne l'as pas acheté? Ça ne règle pas tous les problèmes. Ça ne règle pas tous les problèmes, mais il ne faut pas le minimiser non plus. Hein? Tout ce que tu fais dans la vie, tu as besoin d'argent. Tout, 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 tout. Tout ce que tu fais, tu as besoin d'argent. Donc, pourquoi tu vas le minimiser, rabaisser l'argent comme ça? Non, c'est rien. Hein? C'est pas... Ça ne règle pas tout. Ça ne règle pas tout, mais au moins tes problèmes d'argent, qui sont à peu près 95% de tes problèmes, si tu as de l'argent, ça peut régler ça. Après, c'est normal que, voilà, il y a des maladies que l'argent ne peut pas soigner, qu'on ne peut pas soigner, mais au moins, hein, je préfère quand même, hein, bon, je touche du bois, si on est malade, qu'on soit malade avec de l'argent, plutôt que de ne pas être malade, que d'être malade sans argent. Vous préférez quoi? Hein? Même si, hein, l'argent que vous avez là, ça ne peut pas soigner la maladie que vous avez. Bon, ça, ce sont en fait les extrêmes. Les gens, ils poussent tellement, se disent, oui, l'argent n'achète pas tout. Je suis d'accord, l'argent n'achète pas tout. Hein, mais il ne faudrait pas rentrer dans ce piège-là de minimiser l'argent qui vous pousse en fait inconsciemment à tout le temps en fait rejeter. Hein. Même des fois quand vous devez être payé normalement, vous êtes là, ah non, 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 hein, c'est bon, c'est pas grave. C'est quoi ça? Mais, hein, tu as fait quelque chose, tu dois être payé. Accepte-le, c'est tout. Non, c'est quoi, je ne veux pas mettre l'argent dans notre relation. Tu vis de quoi? Tu vis de la relation, tu. Hein? C'est quoi? Donc, tant qu'on ne va pas changer notre façon là de voir ce truc-là, on ne pourra pas en fait l'attirer. On ne sera pas à l'aise comme il faut avec. On ne va pas être à l'aise comme il faut avec. C'est comme si, en fait, on était en train de le repousser. Inconsciemment, tu le repousses. OK? Donc, ça, c'est une petite définition que je fais de l'argent. Maintenant, comment est-ce que comment dire, dans notre société, dans nos sociétés aujourd'hui, comment est-ce qu'on définit l'argent? Ok, comment est-ce qu'on définit l'argent? Souvent, on l'associe, comme je disais, au diable. On dit que c'est pas bien, que c'est pas important et tout. Mais aussi, surtout, on définit l'argent en fait à travers le travail. Le travail, c'est-à-dire si vous avez un poste dans une entreprise, là, les gens ils se disent, oui, lui, il est bien. Il a de l'argent, on se limite à le poste que vous avez, le travail. Mais non, ce n'est pas seulement ça. Hein. Ou des fois, c'est les diplômes. Quand on a des diplômes, mais combien de diplômés, par exemple, on a en Afrique? Si l'argent, c'était. Si la base de l'argent, c'était en fait les diplômes que tu as, combien de diplômés on a en Afrique? Est-ce qu'ils sont riches? Je crois que si les diplômes c'était de l'argent, on serait le continent le plus riche du monde, hein, parce que les diplômés qu'il y a en Afrique, hein, bon, je dis ça juste comme ça, juste une petite parenthèse, il n'y a pas que l'Afrique. Combien de diplômés il y a en Europe? Combien de diplômés il y a aux États-Unis?
et qui de plus en plus ils sont dans le chômage. Donc on ne peut pas continuer à définir, hein, avoir cette petite définition de l'argent comme voilà, si tu es diplômé, si tu as des diplômes, tu as de l'argent. Non, tu as juste ton savoir-faire. Après, c'est maintenant à toi de savoir comment transformer ce savoir-faire-là, comment le monnayer et pour avoir de l'argent. Et tu n'as pas besoin d'être autorisé à travailler quelque part pour le faire, c'est-à-dire d'avoir un travail dans une entreprise pour le faire. C'est juste à toi d'être créatif, hein, à toi d'être en avance, à toi de savoir autour de toi qu'est-ce qu'il y a, qu'est-ce que tu peux faire, qu'est-ce que tu peux offrir, que tu peux monnayer, hein, avec de l'argent. Donc, tu n'as pas besoin, hein, tu n'as pas besoin d'attendre. C'est surtout cette attente-là, moi, des fois, qui me dépasse. On a tellement de potentiel, il y a tellement d'opportunités. Hein. Quelqu'un qui a un savoir-faire aussi petit que le savoir-faire, et hein, vous pouvez le développer et vous pouvez arriver à le monnayer avec de l'argent, qui que ce soit dans le monde. Point. C'est en ça que je crois. Toute personne dans ce monde a un savoir-faire qu'elle peut développer. Pour, voilà, toute personne peut développer le savoir-faire qu'elle a pour arriver à le monnayer contre de l'argent. Et vous n'avez pas besoin d'être validé par une entreprise pour gagner cet argent-là. Vous n'avez pas besoin de obligatoirement aller chercher du travail. Créez le travail, ok? Créez le travail parce que vous avez un savoir-faire qui vous permet, voilà, d'offrir, le travail c'est quoi? C'est offrir un service, hein? Offrir un produit. Qu'est-ce que vous avez comme produit que vous pouvez offrir? Qu'est-ce que vous avez comme produit? Qu'est-ce que vous pouvez faire avec vos mains, avec votre imagination, hein? Que vous pouvez offrir? Quoi? Qu'est-ce que vous savez faire et que vous pouvez offrir? Maintenant, pour ce qui est du service, qu'est-ce que, hein, vous pouvez offrir comme service, surtout le service? Parce que pour produire, pour faire un produit quand même, voilà, c'est pas facile, mais un service. Qu'est-ce que vous pouvez offrir et que vous pouvez monnayer? Quoi? Des fois, on attend jusqu'à rentrer dans une entreprise pour offrir des services. Non. Et donc, c'est là, en fait, que on a loupé. C'est là en fait que cette vraie notion de l'argent nous échappe. Ok? On associe l'argent au diplôme qu'on a, on associe l'argent au travail qu'on a ou qu'on va avoir, et on se dit, voilà, si on n'a pas ces diplômes-là ou si on n'a pas ce travail-là, c'est foutu, c'est fini. Mais non. Quel que soit, je dis bien, toute personne dans le monde, hein, à un savoir-faire qu'elle peut offrir. Ok? Maintenant, pourquoi vous n'offrez pas ce savoir-faire-là? Pourquoi vous ne le transformez pas en service et que vous l'offrez? Pourquoi? Qu'est-ce qui vous empêche de le faire? Parce que vous ne voulez pas commencer petit. Ben, toutes les compagnies du monde, toutes les entreprises mondiales, que ce soit Coca-Cola, hein, quelle que soit l'entreprise que vous avez, que, hein, ils ont commencé dans un souterrain, dans un garage, dans une cave, hein, Steve Jobs. Et c'est là en fait que vous devez comprendre qu'il n'y a rien de petit. OK? Quel que soit le travail que vous pouvez offrir, quelle que soit la petitesse que ce travail-là peut paraître être, sachez que toute chose a un début. OK? Vous ne pouvez pas juste vous dire, oui, moi je sais faire ça, et demain commencer à offrir ça. Bon, plus tard, je vais faire des vidéos qui vont aller dans ce sens-là, en fait, qui vont vraiment rentrer dans ces détails. Mais pour le moment, je parle des bases. Bon, toutes les vidéos que je suis en train de faire là, jusque-là, c'est encore des bases. Maintenant,
La petitesse, quelle que soit la petitesse du savoir-faire que vous avez, c'est-à-dire ce que vous avez aujourd'hui comme savoir-faire, s'il y a juste une personne qui en a besoin et que vous lui offrez ça, c'est bien. Hein? C'est bien. S'il y a demain deux personnes, trois personnes, après vous apprenez en fait à le développer, à contacter plus de gens pour les inviter. À faire de la publicité, mais que un savoir-faire, ok? Et surtout, surtout, ne vous dites pas que vous allez commencer et tout de suite après passer et devenir une entreprise, commencer à rêver là. Oh, cherchez juste hein, à le développer de sorte à ce que ça puisse vous permettre dans un temps T, hein, d'avoir de quoi vous nourrir, de quoi vous vêtir, hein, comment dire, de régler vos besoins à l'instant T. C'est ça le plus important. Quand vous commencez quelque chose, quand vous commencez une activité, hein, quand vous offrez un service, ne vous dites pas, ne pensez pas, hein, ne rentrez pas dans ces rêves-là, ça ne sert à rien. Vous allez juste vous mettre plus de pression et vous bloquer. Et quand vous commencez aussi, acceptez de commencer petit. Tant que ça vous permet de vivre, c'est bien. Hein? Ensuite, cherchez à développer, à le développer. Et ça prend du temps. Hein? Vous ne pouvez pas créer une entreprise comme ça. C'est pourquoi, en fait, dans la première vidéo, je disais que c'est dans la constance. Constance. Tous les jours, tous les jours, tous les jours. Vous faites la chose tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Tant que ça vous permet de vivre. Et en même temps, hein, vous cherchez en fait à le développer. Mais pas que ça soit une fin, c'est-à-dire un projet, vous avez un projet et tout de suite, vous vous dites, si le projet il marche, je vais acheter une maison. Le projet il marche, vous achetez une Il est maison. 14 heures. Vous achetez une maison et puis après, vous êtes assis, fini. Plus d'argent, plus rien, tout a arrêté parce que vous avez tout pris, vous avez acheté la maison. C'est quoi ça? C'est parce qu'on a une fausse idée de ce qui est argent. Tout simplement. On croit que l'argent, c'est une fin. Non, on devrait apprendre, en fait, à comment faire de l'argent. Je crois que c'est le plus important, en fait. On devrait apprendre, bon, à l'école, on nous apprend tout, tout, sauf comment faire de l'argent? Et ça, j'ai jamais compris pourquoi. Comment faire de l'argent? Comment gérer son argent? Ça, on n'a jamais appris ça à l'école. Mais pourtant, devenir ingénieur, diplômé de la personne est docteur ou je ne sais quoi, vous allez voir des docteurs, hein, des professeurs, des je ne sais quoi, mais les gens, ils ont des problèmes financiers. Ils ne savent même pas comment gérer leur argent. Vous me direz, hein, il y a tout le monde qui a ce problème-là. Mais des fois, c'est pire, quoi. C'est limite, on se demande, mais attends, tu sais compter ou... Hein? Des professeurs, des docteurs, avec un savoir-faire, mais côté argent, c'est zéro. Zéro, zéro. Le gars, il est tous les jours, tout le temps en découverte. Tout le temps. Tout le temps. Vous savez pourquoi? Parce qu'il a une mauvaise notion, en fait, de l'argent. Parce qu'il ne comprend pas. On ne comprend pas dans notre société, en fait, que l'argent, il faut le multiplier. On ne comprend pas, pardon, dans notre société, dans la majorité, la majeure partie des sociétés, pardon, dans la majorité des sociétés, on ne comprend pas que l'argent, c'est une ressource. Okay? Et qu'une ressource, ce n'est pas juste le travail, ce n'est pas juste le diplôme que tu as. Non, une ressource, ça peut être quelque chose d'autre que tu sais faire. Tant que ça te donne de l'argent, c'est une ressource. C'est une ressource. C'est une ressource. Et donc, au final, on fait, comment dire, on fait cette erreur-là de nous focaliser que sur ce qu'on fait, point barre. Comment vous avez multiplié? Si vous ne savez pas gérer ça, comment vous allez y arriver? Vous allez y arriver comment? Si vous ne savez pas le gérer, si vous ne savez pas gérer l'argent, et c'est normal, tout le temps vous avez plus de dépenses que d'entrées, et c'est normal, et ça aussi c'est un piège, hein? Ça c'est un piège. Le salaire, c'est un piège.
Moi, je dis, c'est un piège. C'est un piège. J'ai une façon de voir le salaire. Bon, vous me direz, hein, tout le monde, voilà, il faut vraiment se déconnecter, hein, et regarder comme ça la société, regarder ce qui se passe de loin pour se rendre compte que le salaire, c'est un piège. Vous savez pourquoi c'est un piège? Parce que c'est juste assez. Et donc, on se dit, c'est bon. Donc, est-ce que vous avez remarqué que quel que soit le salaire que vous avez, c'est difficile de s'en sortir. Quel que soit le salaire que vous avez, c'est difficile de s'en sortir. Pourquoi? Parce que on est dans une société de consommation. Ça, c'est le premier truc. Et que donc, au final, plus tu vas consommer, plus tu vas avoir besoin de l'argent. Et plus tu vas avoir de l'argent, plus tu vas croire que tu en as, et donc plus tu vas encore consommer, et plus tu en... et donc, tu vas avoir un salaire de 1000 euros, mais consommer 1500 euros. Un salaire de 2000 euros, consommer 2500 euros. Un salaire de 3000 euros, consommer 3500 euros. Un salaire de 4000 euros, consommer 4500. Donc finalement, c'est un cycle, c'est comme ça. Tant qu'on ne s'éduque pas, hein, pour apprendre, tant qu'on n'apprend pas en fait ce que c'est que l'argent, on sera toujours comme ça. Hein? Tout le temps, on va rouspéter. Moi, je veux une augmentation de salaire. Dès que vous allez avoir l'augmentation de salaire, vous allez être stable pendant 2-3 mois et puis après, ça va revenir. Et encore, vous allez rouspéter, augmentation et augmentation. Et ça ne va jamais s'arrêter. Il faudrait s'éduquer. Il faudrait redéfinir le mot argent. OK? Il y a un truc, c'est que quand je disais que le salaire c'est un piège, c'est pas seulement à cause de ça, hein, c'est pas seulement à cause du fait que on vit dans une société de consommation et que la plupart du temps, une société de consommation, on consomme plus que ce qu'on a. Si vous n'arrivez pas en fait à faire une discipline, à vous discipliner en fait sur j'ai 1000, je vais consommer que 800 tous les mois. J'ai 2000, je vais consommer que 1200, 1300, 1400. J'ai 4000, je vais consommer, bon, disons, 1500, 2000. Hein? Si vous n'avez pas cette autodiscipline-là, vous n'allez jamais vous en sortir parce que la société, elle va toujours vous pousser à consommer, consommer, consommer. Mais attends, hein? Tu vas te retrouver, tu as un salaire de 2000, hein? Tout de suite, tu vas penser à. Attends, je vais me prendre une nouvelle voiture. Tu te prends la nouvelle voiture, tu te retrouves avec un crédit de je ne sais quoi que tu rajoutes. Après, il y a ton salaire qui augmente. Tu passes de 2000 à 2500. Attends, je vais me prendre une nouvelle télé. Tu te prends la nouvelle télé, donc ça te fait le crédit de la voiture et le crédit de la télé. Tu passes à 3000, tu te dis, attends, mais 3000, ça fait quand même beaucoup d'argent là. 3000, c'est rien. Hein? C'est rien si. Tu as le crédit de la voiture, si tu as le crédit de la télé, si tu as le crédit du dernier iPhone, que, hein, si tu as 10 crédits, hein, 3000, c'est rien. Si tu as 100 crédits, 10 000, c'est rien. Hein, c'est rien. C'est rien. Ce que tu as, ce n'est pas ton salaire. Ce que tu as, c'est ce qu'il te reste. C'est après les dépenses, là, qu'est-ce qui te reste? C'est comme ça que tu peux définir ta richesse. OK? Tu as 10 000, tu dépenses 10 100, il te reste 0, tu es encore en moins 100, et donc c'est rien. Tes 10 000 là, c'est rien. Même si on te payait 1 million d'euros tous les mois et que tu dépensais 1 million 100 000 d'euros, la personne qui a 10 000 euros et qui dépense que 1 000 euros, il va lui rester 9 000 euros. Et donc la personne là, au final, elle sera plus riche que le gars qui a 1 million d'euros et qui dépense 1 million 100 000 d'euros. Tout simple. Et donc, c'est pas combien d'argent tu as, non, c'est combien il te reste après tes dépenses. C'est ça qui compte. Je peux te donner 1 milliard aujourd'hui. Si demain tu dépenses 1 milliard 100, il te reste 0. La même personne, elle peut aussi avoir 30 000 euros aujourd'hui. Hein, demain, 30 000, tout le temps 30 000, mais elle ne dépense que 10 000, donc il lui reste 20 000. Donc la personne-là, elle finit plus, elle sera beaucoup plus riche que la personne qui a reçu, qui d'un seul coup, qui a 1 milliard, mais dépense 1 milliard 100 millions. Je vais vous dire un truc aussi
un autre piège. On dit souvent, hein, dans les villes, les différentes villes, bon, supposons, vous prenez Shanghai, bon, je vais vous dire, Shanghai par exemple, ou Paris, ou voilà, ou New York, hein, c'est des villes où les salaires, ils sont comme ça. Waouh, vous allez voir des salaires de 10 000, 15 000 euros. Si, si, ça existe. Hein. Dans des villes, et même plus. Hein. Mais je vous donne juste un exemple. Pour un poste donné, hein, à New York, par exemple, vous pouvez avoir un salaire de 10 000 pour le même poste que. Pour le même type de travail que une région en France, voilà, pas Paris, mais une région en France où vous êtes payé que 1 500, 2 000 euros. Et donc, à niveau, quand on va faire les comparaisons, en fait, on va dire, waouh, le gars là, il est à New York, il gagne 10 000 euros. Ou le gars là, il est à New York, il gagne 15 000 euros. Alors que s'il était en France, il allait gagner, je sais pas, dans une région en France, il allait gagner peut-être 2 000, 3 000 euros. OK. Mais est-ce que vous allez juste vous arrêter sur ce que la personne a gagné? La personne à New York, si la personne gagne 10 000, 15 000 euros, est-ce que vous allez juste vous arrêter là? Là, vous allez tout fausser. Pourquoi? Parce que la personne qui est à New York, là, ce que vous ignorez, c'est que pour être dans le niveau où elle est, et ça, c'est très important en fait, et on devrait, surtout dans nos pays en Afrique, on devrait apprendre à le comprendre. OK? La personne qui est à New York, OK, qui a son salaire de 10 000, 15 000 euros, il est dans un niveau où il doit dépenser 20 000 euros par mois. Est-ce que vous comprenez ça? Et donc, les gens, ils comprennent jamais. Souvent, on compare en fait l'incomparable. Ok, la personne qui est à New York là, peut-être que la personne qui est à Paris, qui gagne 2 000 euros, qui est dans une région en France, qui gagne 2 500, 3 000 euros, peut-être que la personne là, elle arrive à mieux s'en sortir que la personne qui a 15 000 euros à New York. Vous savez pourquoi? Parce qu'à New York, son niveau de vie, déjà, pour le loyer, peut-être que la personne paye un loyer de 7 000, 8 000, vous ne savez pas. La personne paye un loyer de 8 000, pourquoi? Parce qu'elle vit à New York. C'est tout simple. Elle vit à New York, les loyers, c'est comme ça. Donc, la personne paye 7 000, 8 000 euros de loyer. La personne, il lui faut une voiture pour aller au travail. La personne ne va pas. Voilà, il y a certaines entreprises voilà, où il faut vraiment être dans le niveau de l'entreprise, quoi. Hein. Tes amis, ils ne vont pas conduire des BM et toi, tu viens avec ta Peugeot. Bon, désolé. Hein. Voilà. Et toi, tu viens avec ta coccinelle, voilà, hein, c'est pas possible. Et c'est comme ça, c'est les lois de la nature. Et à force, en fait, c'est soit tu fais comme eux, ou tu es exclu. On ne se rend même pas compte, en fait. Au final, c'est ça. Et donc, la personne qui est à New York qui gagne 15 000, elle peut se retrouver avec juste 100 euros d'économie qui vont lui rester par mois. Alors que la personne qui est, par exemple, en France, dans une région, pas à Paris, hein, mais dans une région quelconque, qui gagne 2 500 euros, peut-être qu'elle peut se retrouver avec 1 000 euros d'économie par mois. Si, si. Et donc, entre les deux, c'est qui est le plus riche? La personne qui gagne 15 000 euros et qui lui reste à la fin du mois 100 euros, ou la personne qui gagne 2 800 euros et qui à la fin du mois lui reste 1 000 euros. C'est ça qu'il faut regarder, c'est comme ça qu'il faut balancer en fait. C'est pas combien tu gagnes, c'est combien il te reste. Et notre façon de voir, de comprendre l'argent, c'est faussé parce que on ne compare pas en fait ce qui est comparable. Ok. Maintenant. La dernière partie que je compte, voilà, c'est comment en fait on devrait définir l'argent. Comment on définit l'argent? Comment on devrait, pardon, je ne dis pas. Donc, comment on définit l'argent dans nos sociétés? Ça, c'était, voilà. Maintenant, c'est comment on devrait définir l'argent. C'est-à-dire, quelle doit être notre relation avec l'argent? Ça, c'est mon point de vue. OK? Donc, comme je disais tout à l'heure, on ne peut pas dire, on ne peut pas continuer à dire que l'argent, ce n'est pas important. OK?
L'argent, c'est très important. Ça, il faut l'accepter et il faut l'intégrer dans nos disques durs. Surtout les jeunes. Je vous dis, l'argent, c'est très important. OK? Et n'écoutez pas les gens qui vont vous dire Khalis Seitani, hein, l'argent c'est le diable. N'écoutez, enlevez ces mots-là de votre tête-là. Parce que si vous dites que quelque chose c'est le diable, le jour où vous allez en avoir, ça va vous pousser à culpabiliser. Et c'est souvent ce qui arrive dans nos sociétés. Dès qu'une personne devient riche, il commence à culpabiliser. Et ça, c'est pas bien, hein. Être riche, c'est bien. Et acceptez d'être riche. Soyez riche. Si, plus vous allez penser riche, plus vous allez être riche. Tout simple, dans le subconscient, c'est ça. Tu attires ce que tu penses. Si tu penses problème, tu n'auras que des problèmes. Tu te lèves le matin, tu crois que c'est fini. Non. Tu sors, ta voiture, le pneu dégonflé, problème. Oh, tu rentres, tu règles le problème là, tu arrives au travail, problème, 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 problème. Tu penses problème, problème. Tu vas en avoir toute la journée. Et ces pensées-là, franchement, ça vient naturellement. C'est comme ça, hein, ça vient. T'en as pas encore assez, ça vient. Tu penses problème, bon, ça va tout le temps. Moi, c'est pourquoi si j'ai un conseil à vous donner, ne vous concentrez pas sur le problème. Concentrez-vous à trouver des solutions. Ne parlez même pas des problèmes. C'est pas que ça n'existe pas. Le problème, il est là. Mais prenez 5% de votre temps pour décortiquer le problème et le comprendre. Et ensuite, vous prenez 95% de votre temps, je dis bien 95% de votre temps, pour régler le problème, pour le solutionner. Ne perdez jamais votre temps à problème, problème, problème. Vous attirez que des problèmes inconsciemment. Problème, 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 problème. Vous voulez être riche, pensez à prenez 95% de votre temps à penser à je vais être riche, comment je vais y arriver? Je veux avoir de l'argent, comment je vais y arriver? C'est ça, c'est tout simple. Et plus vous allez le faire, plus vous allez attirer l'argent, plus vous allez pouvoir trouver des solutions, des moyens pour comment dire, échanger votre argent contre quelque chose de votre savoir-faire contre de l'argent. Voilà. Et donc changez votre vocabulaire, hein, et sachez que être riche, c'est bien. Être riche, ça n'a rien de sorcier ou rien de Satan, ça n'a aucune relation avec ça, et voilà. Et savoir aussi que l'argent, c'est pas juste le travail et le diplôme. Ça, c'est très important, quoi, parce que ça vous limite, en fait. Ça vous limite. Et donc, si vous n'avez pas le travail, si vous n'avez pas de diplôme, vous êtes foutu, quoi. Non, vous n'êtes pas foutu, vous avez toujours quelque chose que vous pouvez offrir. Okay? Mais, par exemple, dans nos pays en Afrique, on a souvent tendance, en fait, à associer l'argent hein, au gars costard-cravate qui a sa voiture dans un bureau. C'est bien, je ne dis pas le contraire. Mais, hein, aussi, le paysan, le charrette, le gars qui a sa charrette là, il peut hein, aussi être riche. Être riche, c'est pas juste le gars qui a, c'est pas en fait juste le droit de le droit pour la personne qui est en costume cravate. Non, hein, c'est le droit pour tout le monde. Ok, tout le monde peut être riche. Tu peux même être ramasseur de poubelles aujourd'hui et demain devenir millionnaire et demain être riche. Je parle pas de gagner au loto. Hein. Je parle de développer un savoir-faire et y arriver. Donc, c'est ça quoi. J'ai vu des paysans en Afrique millionnaires hein, qui n'ont rien à envier hein, aux gars costume-cravate qui gagnent, je sais pas, 150-200 euros par mois, quoi. Hein? Et pourtant, le paysan là, à côté du gars qui est juste parce que le gars il est en costume-cravate, c'est tellement là-dedans que. Il faudrait casser ça, quoi. Donc, tu mets la personne, la même personne, pardon, le paysan qui est millionnaire et le gars qui est tout le temps en costume cravate, les gars, la société, elle va toujours, voilà, non? Se concentrer sur le gars qui est en costume cravate. Oui, lui, il est riche. Mais l'autre qui est le vrai riche, non, lui, il n'est pas riche. Pourquoi? Parce que c'est un paysan, non.
Et donc, au final, sans même nous en rendre compte, on délaisse ces petits métiers-là, on délaisse ces petits savoir-faire-là, on les délaisse, on les laisse comme ça. Ah non, non. Comment est-ce que la société va me voir? Qu'est-ce que t'en as à foutre? Je dis ça comme ça, quoi. Qu'est-ce que t'en as à faire? C'est la société qui te donne à manger tous les jours. Hein? Ils vont jusque parler, parler, parler. Regarde le paysan. Et puis quoi? T'es paysan, t'es millionnaire. Qu'est-ce que t'en as à faire de la société? La société, elle ne va pas te donner à manger. Ils vont juste parler. Est-ce que tu vas interdire les gens, tu vas empêcher les gens de parler? Les gens, ils auront toujours quelque chose à dire. Comme je le disais dans la première vidéo, ne vous arrêtez pas à ça. Et donc, des fois, on passe à côté de beaucoup de savoir-faire juste parce que hein, notre rang dans la société, elle va être tachée, elle va pas. C'est quoi tout ça? Donc, tu préfères crever de faim hein, plutôt que. Voilà, la société, si, la so tu préfères crever de faim jusque-là, quoi. Si moi, on me dit, ok, écoute, ton idée là, c'est une bonne idée, et que si tu la développes, tu peux être millionnaire, même si c'est une idée de hein, pousser les charrettes là, je vais le faire parce que je sais que je pourrais être millionnaire là-dedans. Si je vois que si je fais ça, je vais être millionnaire, je m'en fous. Costume, cravate, j'en ai rien à faire. Hein? Il faut comprendre ça, il faut vous enlever ça aussi de vos têtes, franchement. Surtout les jeunes, il n'y a pas de sous-métier. Il n'y a pas de sous-métier, ok? Et acceptez de commencer petit. Quel que soit ce que vous allez faire, quand vous allez comprendre que moi, ce savoir-faire-là, je peux le monnayer contre de l'argent, acceptez et développez-le, ok? Et acceptez de commencer petit. Sachez que vous avez et vous devez aussi, vous avez à commencer petit. Vous devez commencer petit, c'est comme ça. Hein? Mais repousser toutes ces limites que la société elle a mis, c'est des pièges. Hein. Il y a des paysans, on peut tout à fait être millionnaire étant paysan, et être bien respecté. Hein. On devrait aussi apprendre à respecter tout. Le travail, c'est le travail. Moi, j'ai du respect au banabana. La banabana là, hein, nos mamans banabana là, que. Ouais, banabana. Et des fois aussi les vieux, c'est des banas. C'est quoi ça? J'ai plus de respect hein, pour ces gens-là hein, parce que ils partent de zéro pour faire quelque chose et ils en vivent. Ils vivent de ça. Hein. On devrait avoir plus de respect pour ces gens-là. Voilà. Donc, voilà, je m'arrête là. Hein. N'oubliez surtout pas que le savoir-faire, c'est l'argent. Apprenez à redéfinir ce mot-là et sachez que le salaire, en fait, le salaire, c'est. Voilà. On ne peut pas. Voilà. Mais ça aussi, c'est un piège. On ne peut pas avoir plusieurs dépenses. Plusieurs dépenses. Tu dois payer la voiture, tu dois payer la maison, tu dois payer l'essence, tu dois payer à manger, tu dois payer ici, tu dois payer ici, tu dois payer. Plusieurs. Pardon, pardon. Plusieurs sorties par là. Et n'avoir qu'une seule rentrée, le salaire. Une seule rentrée, le salaire pour plusieurs sorties. Franchement. Diversifier. Ok, ne vous limitez pas juste au salaire. Et surtout, le salaire, c'est un piège dans notre société aujourd'hui, qui est une société de consommation. Je ne dis pas qu'être salarié, c'est pas bien. Non. Vous pouvez être salarié, mais aussi penser à diversifier, penser à offrir un autre service qui va vous permettre de faire, d'avoir des rentrées, d'avoir une rentrée. Hein. C'est ça qui va vous permettre de diversifier. Bon, voilà, je m'étais promis en fait de faire des vidéos qui ne vont durer que 20 minutes, mais le sujet-là, il y a tellement de choses à dire que, voilà, ça peut prendre 1 heure. Mais je vais quand même m'arrêter ici. Et si plus tard j'ai en fait, comment dire, si plus tard je vais encore parler du sujet pour creuser, je le ferai. Donc, encore une fois, on est encore qu'aux bases, hein, aux bases, pour ce qui est de l'entrepreneuriat. Et je m'adresse davantage aux jeunes, les jeunes publics, le jeune public, pardon. Donc, redéfinissez en fait ça.
Vous voulez être riche, vous voulez avoir de l'argent, c'est bien. Concentrez-vous. Quand vous avez des problèmes, concentrez-vous. Prenez 95% de votre temps à trouver des solutions. Vous avez tel problème, vous avez tel problème, vous avez tel problème. Concentrez-vous. Allez sur Internet. Comment faire des économies? Comment faire ci? Faites des recherches. Rééduquez-vous pour ce qui est de l'argent. Le concept de l'argent, il faudrait qu'on se rééduque là-dessus. OK? Donc voilà, c'était tout ce que j'avais à dire aujourd'hui. Non, peut-être que plus tard, j'en aurai quelque chose à rajouter. Et puis, la prochaine vidéo, je ne sais pas encore. Voilà, donc je me tiens là et je vous dis à bientôt.